Peut-on encore développer une cataracte après avoir été opéré? La réponse est oui. C'est ce qu'on appelle la cataracte secondaire. Bonjour, je suis Afolabi Yazidzadeh, je suis ophtalmologiste. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner. La cataracte primaire est l'opacification du cristallin de l'œil lié généralement à l'âge. On pourrait la considérer comme les cheveux blancs de l'œil. Elle ne se traite que par chirurgie, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Lorsqu'on opère la cataracte la première fois, on laisse en place une sorte de sac dans lequel on insère l'implant. Cet implant reste en place indéfiniment, assurant la vision. Sans lui, il faudrait un verre d'une grande épaisseur pour permettre la vision. Avec le temps qui peut varier de quelques semaines à plusieurs années, la partie arrière de ce sac devient opaque à son tour, entraînant des symptômes similaires à ceux de la cataracte primaire. Voilà comment se constitue la cataracte secondaire ou en termes médicaux, l'opacification de la capsule postérieure. Heureusement, cette cataracte secondaire ne nécessite plus de chirurgie. Une procédure au laser appelée capsulotomie au laser YAG est utilisée. Elle permet de faire une ouverture dans la capsule postérieure opacifiée et de rétablir ainsi la clarté de la vision.